Salut tout le monde, vous allez bien? Enfin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore donc sur les Sims 4 pour continuer donc les tests donc du pack les Sims 4 au travail. Donc j'avais fait dans la première vidéo toutes les tenues de femmes. Donc aujourd'hui, je vais faire toutes les tenues d'hommes si je peux, ainsi que toutes celles des enfants, filles et garçons. J'espère que j'aurai assez de temps. Alors déjà, je vais vous montrer vraiment vite fait toutes les coiffures d'hommes. Donc on a celle-ci. Donc voilà, je vous fais un petit peu défiler. Donc elle, je la trouve pas mal avec avec un bonnet. Voilà. Je vous montre un petit peu en même temps, un petit peu derrière, devant, sur les côtés, un petit peu partout, hein. Donc franchement, c'est incroyable déjà qu'on soit déjà à 25 abonnés. Donc ça me fait vraiment vraiment très très plaisir. Donc je sais pas si ça par contre si c'en est une. Non, ça c'est vivre ensemble. Bah il n'y en a pas dans au travail. Donc je vais reprendre les chapeaux. Donc voilà le bonnet. Donc le même que celui de femme. Que celle que oui. Que celui pour les femmes. On a le même aussi pour les enfants. Après on a les petits colliers. Voilà. Ils sont sympas les colliers. Surtout celui-là, je trouve il est sympa. Certains trucs, franchement, je regarde en même temps que vous. Donc c'est ce pack où on a les rouges à lèvres pour femmes. Pour hommes, pardon, je vais dire. Donc on peut déguiser, voilà. Votre Sims comme vous voulez. Mais je crois que là, les phares, par contre, c'est les phares à joues. Oui, les phares à joues, je crois. C'est pour les extraterrestres. Hein, parce qu'il y a des écailles. Hop, des écailles. Là, on a des points. Je crois que c'est vraiment pour les extraterrestres. On a du eyeliner assez épais. Venir le maquillage là, c'est exactement le même que pour les femmes. Voilà, donc on a le rouge à lèvres. Mais je crois qu'en fait ils ont mis ça parce que c'est pour comment dire, pour les extraterrestres. Parce qu'on peut beaucoup déguiser nos extraterrestres et c'est pour ça, je crois. Après, dans les tenues, on a des nouveaux tatouages déjà, donc. Les tatouages, donc on a celui-là. Par contre, là, on peut pas filtrer dans les tatouages, donc c'est ça qui est assez dommage. Celui-ci, on a celui-là sur un autre bras. Là. Revenons au tatouage. Donc, je reprends. On avait celui-là aussi. Ah non, c'était sur le même. On a au poignet. Et dans le dos, on en a deux, ainsi que un au cou. Voilà. Bon, c'est des motifs assez sympas quand même, je trouve, hein. Donc là, c'est pas un Sims que je fais, que j'ai fait moi, hein. C'est vraiment un Sims vite fait qui vient comme ça. Donc je reprends dans mes hauts. On a une petite veste en jean, on a des petits pulls vraiment très sympas. J'adore celui-là, moi je le mets pas mal de fois, je crois, aux hommes. Sympa. Voilà, on a ça. Des petites vestes. Une autre veste. Ça, c'est pour les magasins, je crois. Au départ, ils l'ont fait pour les magasins de luxe. Là, des petits vendeurs, je crois. Voilà, un petit t-shirt tout simple avec un petit motif, hein. Voilà, assez sympa. On a une veste encore pour les magasins pour travailler. Une petite chemise avec les manches trois quarts. On a des costumes, donc un costume d'inspecteur, si vous voulez devenir inspecteur, pardon. Un costume de pâtissier ou de vendeur, voilà tout simplement. Un autre costume de vendeur, mais un petit peu plus luxueux quand même, je trouve, que le précédent. Et bien sûr, les tenues d'extraterrestres. Donc les extraterrestres, je ferai une vidéo spéciale dessus. Et les extraterrestres n'ont droit que à ces tenues-là, et ils n'ont pas le droit aux cheveux, et pas aux accessoires non plus, ni aux chaussures. Ça, ils doivent porter que ça. Ça, le reste, c'est interdit. En noir ou en blanc, voilà. Donc il y a plusieurs couleurs, hein. Après, je vois pas trop la différence en fait entre les deux. Voilà, c'est assis le plastron, il descend un tout petit peu plus, mais après le reste, c'est pareil, hein. Ouais, non, le haut là, ouais, non, mais c'est pareil, hein. Franchement, il n'y a pas de différence pour moi. On a donc les pantalons, voilà. Un petit short.
Voilà, donc je fais assez rapidement pour pouvoir passer en même temps les enfants et pourquoi pas vous montrer un petit peu plus les extraterrestres en précision. Je ferai une vidéo spéciale sur les extraterrestres pour les mettre en jeu. Donc on a les accessoires, donc on a des petits bracelets. Voilà. Une paire de gants aussi. Tac. Voilà. La paire de gants, d'ailleurs, je l'avais jamais vue, ni jamais mise sur un Sims. Elle est très jolie. Je l'aime beaucoup. Ça serait sympa pour les motards ou les petits trucs comme ça. Non, c'est sympa, franchement, même en hiver, si vous voulez faire un Sims d'hiver, habille-toi, tu vas avoir froid. Un Sims d'hiver, franchement, c'est sympa. Après, on a des chaussures, donc voilà. Donc, on a une paire de baskets, des sandales, on a une paire de bottes, et après, des petites sandales, des petits chaussons. Voilà. Donc vraiment très sympa, hein. Voilà, encore des petites sandales, des chaussures, quoi. Après, bon, pour les hommes, c'est fini. Franchement, je vous le montre vraiment très très rapidement parce que je veux vraiment que ça passe rapidement pour pouvoir tout vous montrer. Après, les tenues les plus craquantes, c'est pour les enfants, je trouve quand même. Donc, on a deux coiffures pour les filles. Donc, on a celle-ci avec plein de petites tresses, très jolie. Et celle-ci qui a également pour les adultes. Donc, voilà. Moi, je préfère, franchement, entre les deux, je préfère celle-ci. Donc voilà. Après, en bonnet, je vous les avais dit que c'était exactement le même, il n'y a que ça. En chapeau, franchement, voilà quoi. Il n'y a pas un très très grand choix. On a deux nouvelles boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles en forme de cœur et les boucles d'oreilles en forme de carré. Donc un petit peu style diamant ou des trucs comme ça. On a deux paires de lunettes. Donc une plus grosse qui fait un petit peu geek quand même, je trouve. C'est sympa. Et une autre beaucoup plus enfant et que j'adore d'ailleurs. Elle est magnifique. On a deux colliers. Un collier en perles et un collier avec un petit pendentif rond au bout. Après, maquillage, bon bah on n'a rien. Hein. Comme les enfants, normalement, ils ont pas du tout. Ils ont juste les deux petits traits sur le nez, sur les joues ou juste sur le nez. Ils ont que ça, les enfants, ils n'ont pas grand-chose. Après, on a donc les petites tenues. Donc on a un petit pull avec un chat, avec une chemise en dessous. Une petite veste. Une veste manche courte que j'avais mis pour notre Sims qui avait grandi. Donc j'avais mis celle-ci. Mais j'avais mis en rose. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette tenue. Et un petit gilet tout simple. Après, en tenue complète, on a, je sais pas comment dire, comme une petite robe, on va dire, mais en pull, avec des petites oreilles de lapin et la petite queue derrière. Donc elle est disponible en pyjama, hein, si vous voulez. Moi, je la mets souvent. Donc voilà, plein de coloris différents. Le petit pull lapin, mais si vous descendez dans les coloris, vous pouvez l'avoir toute basique. Voilà. Tout basique, tout simple. Après, moi, je préfère avec le lapin parce que c'est beaucoup plus chou et kawaii, on va dire. Alors, une petite robe, toute simple, avec des petites fleurs. Bien sûr, pour les enfants extraterrestres, par contre, il n'y a qu'un modèle. Il n'y en a pas deux, comme les adultes, comme pour les adultes. Après, on n'a que des pantalons, par contre, pour les filles. Donc, on a celui-là. On a celui un petit peu troué et déchiré. On a un tout simple, mais très joli, je trouve. C'est un slim, je crois. Très très joli. Un autre slim, mais de couleurs différentes et les motifs sur les poches est différent aussi. Après, peut-être les rebords. Ouais, non, il n'y a pas de rebord celui-là. Lui, il est un petit peu replié sur lui-même. Après, en accessoire, on a des guêtres. Donc, je vais vous montrer avec un short. Voilà, avec un short, ça fait des petites guêtres, ça peut être sympa. Après, on a une paire de chaussettes, mais des différentes, par contre. Donc, comme si le matin, des fois, vous mettez deux chaussettes différentes, bah, votre Sims pourra le faire. Voilà. Après, en chaussures, on en a. Eh, mais j'ai pas trié les chaussures, mince! Bah, je le fais. Donc, vous voyez, si vous savez pas trop comment filtrer, bah, tout simplement, il y a marqué filtrer les éléments. Si vous voulez avec les packs, vous faites les packs. Hop, au travail, et vous avez tout. Après, style, donc voilà, contenu, acheté, matière, un petit peu comment ça pourrait être. Voilà.
Vous avez tout ça, les couleurs. Alors, donc on a les chaussons lapins, les petites chaussures très très écolières, je trouve, je les trouve très sympas. Des petits chaussons, des bottes, des petites sandales, encore des bottes, et encore des bottes. Non, elles sont sympas, franchement, les chaussures, j'aime beaucoup ce pack. Je trouve que c'est le plus approfondi, on va dire. Parce que entre déjà, on peut voir nos Sims travailler. Toutes les tenues qu'il y a, franchement, il y en a énormément, même en termes de chaussures, pour les enfants, les trucs comme ça, c'est le plus complet. Les meubles, pareil, très très complet. Franchement, même Ah, comment dire? Oh, je sais plus comment on appelle ça. Le social, il change aussi beaucoup, donc c'est pas mal, franchement. C'est vraiment sympa. Donc voilà, pour les enfants, pour la petite fille, pardon, pour les enfants de filles, c'est fini. On va passer aux garçons. Alors, donc les garçons, la coiffure, voilà, toute simple, hein, la même, mais il n'y en a pas d'autres. Par contre, c'est assez dommage là-dessus. Bon, le fameux bonnet, hein, tout le monde l'a. Après, les accessoires, donc on a les boucles d'oreilles, les lunettes. Exactement les mêmes que pour les filles. Les deux colliers identiques. Pour les enfants, ils font vraiment des trucs identiques, hein. Maquillage, il n'y a pas, bien sûr. Après, par contre, les garçons, c'est les mêmes tenues que pour les filles, je crois, sauf en corps entier. Corps entier, on a juste ça. Donc la petite salopette, un petit peu. Je sais plus comment on appelle ça. Je crois qu'il y a un look prédéfini à marquer. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais voilà. À peu près dans ce style-là, on va dire. Donc, je reviens dessus. Donc, cette petite salopette, bien sûr, la tenue des extraterrestres. Et là, j'ai encore oublié de filtrer, je ne sais pas pourquoi. Ça tombe toujours sur moi. Je vous dis la moitié des choses, hein. C'est pas grave. Donc, les mêmes pantalons, hein, que pour les filles, donc je vous les montre pas, c'est. Voilà. Les accessoires, on n'a plus les guêtres, mais juste les chaussettes. Mais juste les chaussettes qu'on n'a pas. Bon, c'est pas grave, hein. Et puis les mêmes chaussures, sauf il y avait deux. Ah voilà, c'était les bottes. Il y avait deux bottes, deux paires de bottes. Elles y sont pas, mais c'est tout. Donc voilà, je vais pouvoir peut-être vous montrer vite fait un extraterrestre. Mais je m'intéresserai plus à eux dans une prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc ils ont les yeux vraiment vides, hein. Ça fait vraiment peur, je trouve. Après la voix, ils ont une voix plus particulière, mais j'enlèverai mon casque pour que vous puissiez entendre, pardon. Vous voyez, donc ils n'ont pas le droit aux cheveux. Si, ils ont le droit? Ah mais la dernière fois, je pouvais pas. Ah mais c'est trop bien. Je pouvais pas la dernière fois mettre des cheveux. Ah ben ils ont dû faire une mise à jour. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Non, j'ai dû me confondre alors avec les vêtements, parce que je crois que les vêtements on peut pas. Si, on peut. Alors là, je vais vous avouer que je suis littéralement choquée, parce que la dernière fois, je ne pouvais pas mettre de tenue, ni rien du tout sur un extraterrestre. L'extraterrestre devait rester avec sa tenue toute basique, c'est-à-dire celle-ci. Donc là, je vous avoue qu'ils ont dû faire une grande, grande modification. Parce que là, je viens de découvrir en même temps que vous que les extraterrestres pouvaient porter des tenues que les humains portent, on va dire, que nos Sims portent. Là, je vous avoue que je suis choquée un peu parce que franchement, j'ai jamais découvert qu'on pouvait faire ça. Enfin, je viens de le découvrir à l'instant. On peut. Vous savez, oh là là, c'est trop bien! Ça a complètement changé, on peut porter plein de trucs maintenant quand on est extraterrestre. Avant, c'était vraiment avec les contenus téléchargés que je pouvais faire seulement avoir un Sims comme ça, quoi. Bah, c'est super, bah, je viens de découvrir un truc en même temps. Bon, bah voilà. Hein. Là, donc, la prochaine vidéo, ça sera sur les extraterrestres. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu veux, même un petit commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!